Le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain et ses partenaires accompagnent la mairie de Paris dans ses réflexions stratégiques autour du rafraîchissement urbain. Nous sommes dans une salle du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, laboratoire assez unique en France, qui, de par sa conception, permet de faire travailler ensemble des chercheurs de différentes disciplines, que ce soit des physiciens, chimistes, biologistes, économistes, géographes, sciences humaines et sociales, autour du thème de l'énergie et des transitions énergétiques et écologiques. Le laboratoire travaille sur le projet CourOasis, issu du programme européen Action Innovatrice Urbaine, qui vise à transformer 10 cours d'école et collèges en espaces rafraîchis pour être plus agréable à vivre au quotidien et mieux partagé pour tous les publics. Rite Karam, doctorante, accompagnée de Martin Hendel, enseignant-chercheur, font partie de l'équipe Climat-Énergie en milieu urbain du laboratoire LEED. Comment est-ce qu'on choisit une cour? Est-ce qu'elles étaient très loin ou très proches de l'objectif final visé, à savoir créer un îlot de fraîcheur, donc des conditions adaptées pour des cas de canicule ou de vagues de chaleur? Alors, îlot de chaleur urbain, c'est quoi concrètement? C'est la différence de température qu'on mesure entre un centre-ville et une zone rurale dans la même région, donc c'est le même climat, mais il y a une différence d'urbanisation. Et la différence de température qu'on observe est attribuée à cet effet d'urbanisation. 19 stations de mesure ont été déposées dans la ville de Paris. Un exemple autour de la place Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement. Pour essayer d'évaluer l'impact des travaux qui seront faits au sein de l'école Jeanne d'Arc qui est à ma gauche, on installe des paires de stations. Donc, une station à l'intérieur de la cour qui va essayer de voir ce qui se passe dans la continuité temporelle et une station au sein de l'espace public qui en principe elle ne va pas voir entre guillemets, de travaux, et donc il va nous permettre d'avoir une sorte de ligne de base sur laquelle on pourra se caler pour avoir les différents instruments. Donc là, on peut voir aussi les différents paramètres microclimatiques. La méthodologie, c'est que l'on a les stations mobiles qui essaient d'avoir une résolution un peu spatiale à l'échelle même de la courbe. Et on a les stations fixes qui, elles, en fait, vont être effectivement très ponctualisées, très localisées. On a fait appel à une discipline qui s'appelle la géomatique, la cartographie. Donc on s'est un peu basé dans la littérature en microclimat urbain. Il y a le concept de local climate zone. Donc c'est les LCZ, c'est des sortes de zones de climat avec des zones tampons où à peu près sur une échelle de 300 à 200 mètres, on peut observer plus ou moins les mêmes propriétés. Il s'avère que notamment on a des mois de plus en plus chauds, on a aussi des changements en amont, notamment si on a des phénomènes de sécheresse qui sont aggravés et tout ça, ça va influer notamment sur les rétentions d'eau, l'évapotranspiration si jamais on est à proximité des parcs et donc sur les données microclimatiques de base que l'on a. Vraiment, la première étape, c'est de dire, OK, de quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Et puis, on construit ensemble ce cheminement, etc. Tout ce travail pédagogique qui est vraiment important comme préalable. Le projet CourOasis est un bon exemple d'interdisciplinarité où les notions de recherche fondamentale et appliquée sont intimement liées. Comment on conçoit une cour d'école Oasis? Et en fait, ça ne se veut plus une cour d'école imposée aux usagers. Ça se veut cours d'école co-conçus, donc il y a des ateliers avec les enfants qui ont eu lieu, il y a des ateliers avec les équipes pédagogiques qui ont eu lieu, où tout le monde a participé au dessin et à la forme et au jeu et au choix des espaces. Sur le principe, la cour qui va arriver, c'est celle à laquelle ils ont réfléchi pendant un an, tous ensemble, d'abord les élèves et ensuite l'équipe pédagogique. Il y a de l'interaction avec les quartiers, puisque un des enjeux aussi, c'est l'ouverture des cours d'école hors période scolaire, c'est-à-dire que ça soit accessible. Il y a différents leviers qui sont mobilisés. Il y a la végétation, qui vont, en utilisant l'eau, vont faire un rafraîchissement par évaporation, évapotranspiration. Il y a la création d'ombrages, soit par des ombrières, soit par des arbres, etc. Les 10 cours du projet FEDER UA Oasis, elles bénéficient d'un accompagnement très fort. Il y a nous, il y a Météo France, il y a le CEUE, il y a la Ligue pour l'enseignement, il y a Sciences Po pour l'évaluation de la politique publique. L'idée de tout cet accompagnement, c'est que ces 10 cours-là soient des cours pilotes qui servent à préfigurer, tirer les leçons, avoir les retours d'expérience dès maintenant, pour que le déploiement d'ici 2040 ou la transformation d'ici 2040 du reste des écoles parisiennes puisse se faire dans les meilleures conditions et avec les meilleures performances.